Monsieur le Président, les Canadiens célèbrent à l'unisson le courage de Malala Yousafzai, ainsi que son espoir d'un monde où toutes les filles auront accès à l'éducation. Malheureusement, la cérémonie pour lui offrir sa citoyenneté canadienne a été annulée en raison des événements tragiques d'hier. Est-ce que le gouvernement peut nous dire à quelle date cet événement sera remis afin que les Canadiens puissent saluer son courage? Et est-ce que le Canada va financer le partenariat mondial pour l'éducation qui fait tant pour l'éducation des filles? Monsieur le Président, évidemment, le Canada s'est pleinement engagé à accroître l'accès à l'éducation de base pour les enfants qui sont dans le besoin. Et une chose est certaine, Monsieur le Président, la dernière conférence d'appel pour les versements de fonds qui s'est tenue par le programme mondial, par le partenariat mondial pour l'éducation, a lancé une discussion d'intérêt à laquelle le Canada est pleinement contributeur. Et Monsieur le Président, on continuera de déterminer avec nos partenaires tant nationaux qu'internationaux comment on peut faire une réelle différence dans le domaine de l'éducation. The Honourable Member for Ottawa Centre. Well, Mr. Speaker, all Canadians applaud Malala Yousafzai's courage and her vision for a world where girls have equal access to education. And we can't let her stand alone. It's been 4 months since the Pledge Conference for the Global Partnership for Education that the Minister just referred to has taken place. So the question is, will Canada renew its funding for this important initiative to stand with Malala and so many, so many girls like her? The Honourable Minister of the National Public. Mr. Speaker, indeed, Canada is deeply committed to increasing access to quality basic education for the children in needs, all children in needs and youth. And Mr. Speaker, the Global Partnership for Education Last Pledging Conference launched a very interesting discussion, crucial conversation in which Canada is a very active partner. So, Mr. Speaker, we'll continue to work with Canadian and international organizations to determine how to achieve the greatest results for the people in need. Thank you. The Honourable Member for the